Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de notre nouvelle section qui est à propos du traitement de la saisie utilisateur. Dans ce module, il va donc être question d'aller chercher les saisies utilisateurs. Nous allons donc travailler avec plusieurs types de données comme les textes, les dates par exemple. Nous allons les gérer avec différents composants de formulaires ioniques. Ces composants vont être utilisés dans le cas de formulaires Angular et utilisant également d'un point de vue visuel les templates vus dans la section précédente. Dans la dernière partie, nous verrons comment nous pouvons valider ces données pour vérifier quels sont ce que l'on attend comme type de données. La prochaine fois, nous parlerons des exigences des inputs utilisateurs.